Monseigneur Barchi, où sommes-nous aujourd'hui? Eh bien, nous sommes à Vintimille, nous sommes donc devant l'église Saint-Antoine, où sont accueillis tous les migrants qui sont ici et qui cherchent à passer, à traverser la frontière. Ce sont des réfugiés, ces gens-là? Ce sont des réfugiés, ce sont des êtres humains, avant tout, et donc nous avons un devoir d'assistance et de solidarité envers ces hommes, ces femmes et ces enfants qui ont tout quitté pour un avenir meilleur. Et alors le pape François a eu un rôle déterminant par rapport à cette situation de crise? Bien, oui, le pape a simplement rappelé à tous les chrétiens notre devoir de solidarité. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli, c'est dans l'évangile, c'est le Christ Jésus qui l'a dit et le pape a répercuté cet appel. C'est merveilleux. Et alors, est-ce que vous savez, j'imagine que Monaco, au travers vous, doit aider beaucoup la paroisse? Alors, ici, Monaco, la Caritas, par l'intermédiaire de Caritas, dont le responsable est ici avec moi, apporte une aide autant que nous le pouvons. Et surtout, nous voulons faire connaître aussi cette situation difficile que vivent ces hommes et ces femmes. Et alors, quel est le message que vous feriez passer? Eh bien, ce message, c'est que nous avons ici des frères et des sœurs à l'humanité dont nous avons le devoir et la nécessité de leur porter assistance. Merci, c'est gentil. Merci, madame.